à tous, ici Agathe MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 8 sur Slime Rancher 2. Il est temps de continuer l'aventure après avoir fait un épisode trop bien, full exploration. C'était trop bien, on aura découvert plein de choses. Et surtout on aura ramené eux là, donc c'est cool, on les a maintenant, on a eux aussi. Ah bah voilà, ça y est, ils nous donnent donc les fameux plortes de temps en temps, donc c'est bien parce qu'avec eux au moins on n'a pas besoin de les nourrir en fait, ils se nourrissent eux-mêmes via l'eau qu'il y a dans le marais pour avoir les plortes, et ceux-là on va les garder, on va pas les mettre dans le truc pour se faire des sous, parce qu'on en a pas besoin encore pour l'instant. Donc c'est bien parce que j'ai pas besoin de faire des sessions offline à me faire chier à tout le temps récupérer des plortes. Il suffit juste voilà, on va aller là, hop, on va mettre ça là dedans et voilà. Alors aujourd'hui l'objectif très clairement c'est de retourner dans la zone où on était la dernière fois, hein, parce qu'il y avait encore énormément d'exploration à faire, surtout dans la zone de lave, on peut récupérer la poussière et tout. Oh, alors par contre toi là, je sais pas ce que tu fais ici, mais t'as rien à faire là, toi. Vraiment. Ça craint parce qu'après ça risque de faire des tares. J'ai pas envie qu'il y ait des tares. Alors, je veux juste aller récupérer les fruits, vite fait. Est-ce que c'était là les fruits? Je sais plus, putain. Parce que on va essayer de nourrir les gros slimes aujourd'hui. Non mais à chaque fois je me trompe, putain. C'est pas là. J'aimerais aller nourrir les gros slimes. Du moins, au moins déjà un. Celui-là qui a dans la première zone, putain je sais plus là, c'était le gros slime de cristal là. Il y avait le slime tigré aussi. Enfin bref, il faut qu'on se trimballe avec des légumes et des fruits. Donc c'est pour vous dire. Est-ce que c'est là-bas? Je sais plus maintenant. Ah bah ici il y a des slimes baudrois. Je sais plus ce qu'ils mangent. Ouais. Il nous faut de la viande aussi. Eh oui. Il y a beaucoup de slime qu'il va falloir qu'on nourrisse. Je crois que c'est là les fruits. Les fruits et légumes. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Potentiellement aussi peut-être découvrir un nouveau slime. On va savoir, je sais pas. Donc on va récupérer tous les fruits qu'on peut. Voilà, on va se faire deux fruits et deux légumes. Voilà, deux fruits, deux légumes. Alors cela. Voilà, je pense que là c'est bien. Ok. Donc là maintenant l'objectif c'est d'y aller. Oh putain, on va peut-être éviter de tomber parce que sinon je perds tout. On va retourner donc là-bas, on va éviter de mourir parce que ça me ferait chier de perdre tout. Mais non, je ne meurs pas en général. Hein, sauf quand je fais des chutes à chier. On va retourner là-bas du coup. Alors je ne ferai pas d'ellipse, hein, rien du tout, rien de tout ça. Parce que comme dit, des fois on peut tomber sur des événements. Pas des événements, mais des endroits qu'on n'a pas trouvé. Donc, allez, on retourne là-bas et on va déjà nourrir le premier slime qu'on avait trouvé. Je sais plus où il est vraiment, alors que j'y étais juste il y a 30 minutes. Mais c'est juste que vous savez, on tombe des fois sur tellement de trucs. Pour se rappeler, des fois, c'est un peu chaud. Tiens, tiens. Oula, oula, oula. Attendez, attendez, attendez.
Je vous le dis, hein. On tombe sur des trucs, hein. Ah, faut juste pas que je meure, hein. Vraiment, c'est... C'est pas du tout le moment. Ok, 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 donc pour l'instant tout va bien. C'est bon. Allons-y, allons-y. Et bah on va essayer de trouver donc les. On va essayer de retrouver tout simplement les slimes qu'on a vus la dernière fois. Allons-y. Je suis déjà allé ici, moi. Je sais plus. Est-ce que j'ai déjà allé là? Très honnêtement, je sais plus. Hein. Ce qui est sûr, c'est que je passe pas par le même endroit. Ah oui, si, 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 je vois totalement où on est là. Je me rappelle d'ici. Ah ça, je peux pas récupérer malheureusement. Vas-y. Putain les gars, c'est incroyable. Réservoir de l'Aspipac. Oh. Eh. On tombe sur de ces trucs. Incroyable le nombre de trucs qu'on trouve. Vraiment. Là déjà là tu vois, il y a ça. Il y a plein de trucs que je pourrais récupérer, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, ok, alors déjà on est ici. Déjà on est ici, donc je sais que ici déjà il y a un slime qu'on peut nourrir, mais je sais plus, je crois que lui il veut de la viande. Je sais plus où il est. Est-ce qu'il est par là? Non, je crois pas qu'il était par là. Ça y est, c'est le slime... Comment il s'appelle déjà là? Je crois qu'il est par là. C'est lui là. Ah non, il veut des fruits, regardez. On va nourrir lui alors du coup. Putain, il lui en faut. Hein. Il lui en faut des masses. Ok. Ah ouais. Ah c'est, je vois où on est. Je vois où on est. Ah c'est trop bien les gars, je vous jure c'est trop bien. Mais la question maintenant c'est est-ce que je continue de... Parce que... Vous voyez ici là on peut aller là. Ça c'est bien pour ça. Voilà. Nickel. La vallée ardente. Fou, il y a quelque chose encore là-haut. Je sais pas si je vais pouvoir y aller. C'est les fameux drones, ok. Putain les gars, waouh. Mais il y a tellement de trucs encore à explorer.
là-bas, vous voyez que déjà il y a un gros slime. On va y aller, hein. J'espère qu'il demande des légumes. Oh putain, en plus il est devant une porte. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah putain, il demande la viande. Ah, il demande la viande. Bon, bah c'est pas grave. On est clairement dans une zone de lave, hein. C'est... Je pense que ça se voit quand même. Hein. Yes! On peut faire la mare de magma. Oh putain, trop bien les gars! Hein? Oh putain, trop bien. On peut faire la mare de magma. Bah voilà, c'est parfait. Je me doutais bien qu'au bout d'un moment, on pouvait la faire celle-là. Oh putain, les gars, c'est trop bien, putain! En vrai, en soi, ici, je pense que... Il n'y a plus vraiment de... Si ce n'est que ça, mais bon, ça. Voilà. En fait, moi, je m'attends à une porte, peut-être, ou je sais pas, une sorte de raccourci ou quelque chose, je sais pas trop. C'est autre chose, ça? Vas-y, tu sais quoi? Ah, il m'en faut de ça. Il y en a partout de ces trucs là. Le jetpack, j'utilise vraiment beaucoup, hein. Donc c'est ça à ne pas négliger, quoi. Ok. Bon, du coup, faudrait qu'on retourne au slime cristal parce qu'il faudrait quand même que je donne les légumes, c'était un peu le but. Mais encore une fois, vu qu'il y a tellement de trucs à explorer, tu te perds. On va aller là, on va aller ici. Je pense que c'est par là. Non, c'était pas ici. Hein. C'était où, nom de Dieu? Je crois que c'était par là-bas.
Je suis perdu. Je sais plus où c'est. Au secours. C'était pas plutôt par là? Attendez, je crois que... Mais par où c'est? Oh! Vous l'avez raté celle-là? Amas de cyprès, ouais. Ah, c'était là, je crois. C'était ici, c'était ici, c'était ici. C'est ça, c'est ça. C'est bon, j'ai retrouvé. Ah. Bon, encore une fois, j'espère qu'on aura assez hein, de légumes, mais... je sais pas, j'ai un petit peu des doutes. Un petit peu des doutes. Bon, il y a les étoiles, ça veut dire qu'il adore. C'est pour nous faire monter ici. Genre. Quel est l'intérêt de venir là? À la limite pour récupérer eux là. Alors ça est quoi? On va faire encore récupérer les plortes. Bah, y a pas grand chose, hein. Si ce n'est que vous savez quoi. Petite plante à queue, voilà, super. Alors il y a ce slime là-bas qu'il faut qu'on lui donne de la viande. Putain, mais le jeu il nous autorise quand même à monter sur ces falaises. Hein. D'ailleurs, c'est à prendre en compte quand même. Ouais, donc maintenant l'objectif ce serait la viande là-bas en fait. Ce serait la viande. Et en fait, là, il faudrait masse viande. Il
Il faudrait masse viande en fait, c'est ça le truc. C'est pas compliqué, il suffit juste de se balader partout, de récupérer un maximum de poules. Mais il faudrait pour ça que j'améliore le truc au niveau 2. Vous savez, pour avoir 40 unités dans le réservoir au lieu de 30. Donc ce serait bien. Ce serait bien. Parce que vraiment des poules, il y en a partout en fait. Hein. Il suffit juste que tu viennes à poil. Ah, t'évites de récupérer les autres que des poulets. Enfin des poules. Et tu te remplis à mort et puis après tu vas nourrir les slimes. Donc c'est vraiment pas compliqué en fait. C'est juste que il faut résister à l'envie. Je suis allé ici moi. Oh, j'ai pas l'impression que je suis allé là moi. Attendez, on a peut-être trouvé quelque chose. Je suis pas allé là, moi. Ouf, j'ai failli tomber. Faut le plort boom. Il faut le plort boom ici. Clairement. Et il en faut deux. Oh. Si on a le temps, on va essayer de faire ça. Attendez, l'entrée. On est où là? Faut que je capte à peu près où on est là. Parce que pas sûr que j'arrive à retrouver. Hein. Pas sûr que j'arrive à retrouver l'endroit. C'est bien caché là. Il y en avait un qui est tombé, putain. Comment je pourrais retrouver cet endroit, c'est caché derrière. Ouais. On va. On va essayer. OK. Bon, il faut qu'on rentre à la base, on n'a pas le choix. Mais il va falloir revenir. Parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette zone. En sachant que l'autre aussi, on aura accès à des nouvelles zones, puisque on n'avait pas eu le temps, on n'a pas encore utilisé le jetpack dans cette zone-là, donc on va revenir. Ah, c'est là-haut. C'est là-haut qu'il faut que j'aille. Putain, c'est chaud pour reconnaître les zones, c'est chaud. Oh, des plortigrés. Oh, il m'en faut tellement des plortigrés. Ouais, mais je sais plus ce qu'il mange, lui. Ouais, je sais plus ce qu'il mange.
C'est des slimes très rares qui peuvent donner beaucoup d'argent, mais... Des slimes d'or, là. Bon, alors, on retourne à la base. On va déposer... à tout ce qu'on a sur nous. Et on va essayer de se récupérer masse poules. Genre vraiment. Et peut-être juste récupérer des plortes boom. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit juste de retourner dans la grotte et puis on va obtenir. Hein. Parce que j'ai pas envie de leur donner des poules pour les slime boom. Ça m'intéresse pas. Enfin, du moins pour l'instant. Il va falloir les garder pour les gros slimes. Ah, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là. Alors déjà, on va construire une mare. Ah oui. Ça ne pas négliger. Marais de feu là. Voilà. Faut juste que je me rappelle où c'est. Je crois que c'est là. Je sais plus. Ouais, je crois qu'ils sont là. C'est ça. Ils sont juste... Oh. Eh. Ils sont efficaces quand même. Alors faire attention parce qu'ils risquent de les... Voilà, ok. On va mettre ça ici, je pense. Ah oui, mais alors attends. Je peux pas encore le construire. Pourquoi? Certainement parce qu'il me faut... Il faut que j'aille à la forge. Peut-être que ça va coûter des choses. Donc on va voir. Parce que pour avoir des plortes de feu... je pense qu'il faut les exploiter. Donc on va voir. Genre, on va mettre ça là. Ah, ah, ah. Ok. Donc là, il faut les plortes boom. Il en faut 10. unités, donc là, il me faut 19 trucs. 20 comme ça. 10 comme ça. Plortes rocheux. Ajoute un autre réservoir polyvalent à votre aspipac et il faut des plortes rocheux. Ça, on peut le faire maintenant même. J'ai envie de vous dire. Attends, mare de magma. Il faut des plortes ardents. Fabriquer. Ah oui, mais bon. Je pensais que ce serait un truc comme ça. C'est pas grave. On va essayer de se faire 40 plortes rocheux. Comme ça, on aura 6 réservoirs. Imaginez. Oh, on les a. On les a, je vous le dis, on les a. Ça, c'est à force d'avoir farmé. J'avais complètement oublié qu'il en restait encore. Voilà. On va en prendre 10 autres. Ok.
Ah non. Ah non, il faut les pleurs papillons. Ah, j'avais pas vu. Oh non, putain, je suis con, j'ai mal regardé. Attendez, quoi? Pleurs de papillons? Mais j'ai jamais eu ça. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. On peut peut-être faire les pleurs de boum. Ouais, mais les pleurs de boum. Pleurs de boum, j'ai envie de vous dire. C'est pas évident, les pleurs de boum. Hein. Parce qu'il faut que j'arrive à. Attendez, et pleurs de papillon. Et qu'est-ce que ça peut être, les pleurs de papillon? Ça veut dire qu'il faut des slimes papillons? Je les ai pas encore trouvés ceux-là. Hein. Bon, on va essayer de se faire des poules. Allez. J'aimerais au moins améliorer un truc. Avant la fin de l'épisode. Donc faut trouver des poules. En général, elles sont sur le côté comme ça, là, les poules. Là. Oh là là, il y en a une. Un peu timide les poules là. Petite poule. Voilà. Ça, il m'en faut ça. Ça, on s'en fout. Non, on en aura assez là. Ouais. Je pense qu'on en a assez. Donc, on va retourner à la base du coup. Ok, il en faut 20, hein, on est d'accord. Ça pourrait être intéressant de faire un poulailler, en fait, j'en ai encore jamais fait. J'aurais peut-être en faire.
Je crois qu'il faut une... il faut un... il faut lui, là. Ouais, c'est bon. On a assez. On va juste essayer de se faire des petits Lord Boom là. Je crois qu'il en faut 10. Comme ça, on peut s'améliorer les bottes. Je crois que c'est pour les bottes en plus. Donc, on va voir. Non, c'était pas ici. C'était où? C'était où? C'était pas là-bas derrière, c'était ici. Ouais, c'est ça. Je pense que là ça va suffire. Pile poil 10. Parfait. Est-ce qu'on se ferait pas un poulailler là? Genre ici. Est-ce que ça vient tout seul ou pas? Je crois qu'il faut un coq, hein. Permet d'empêcher les poulets de s'échapper. L'air attire les insectes emprisonnés par les poulets. Une fois le ventre plein, les poules produisent des œufs deux fois plus vite. La tournée d'invention en matière de voilà. Les vitamines aspergent les poulets de Vita Rayon qui leur permettent de devenir des poules et coques en pleine santé deux fois plus vite. Monsieur, ouais, qui double le nombre de poulets que vous pouvez élever et vire les anciens. Bon, on va les laisser. On va les laisser tranquilles. Ok. On a les 10 Lord Boom, c'est tout ce qu'il faut. Et dans le prochain épisode, on retournera à nouveau dans la zone. Et on va essayer de se faire un maximum de viande, en fait, de poulet. Et on va essayer de... Je pense que le premier slime qu'on va nourrir, c'est celui-là qui est tout au fond, là. Vous savez, que le Lord Boom géant. Donc je pense que ça pourrait être cool. Ah merde. Ah, Vital est là-bas. Et on va pouvoir se laisser pour cet épisode, puisque nous sommes déjà à 40 minutes quand même, hein. C'est pas rien, ça passe très vite. Donc voyons voir. Voilà, c'était ça. Hop. Ces bottes trésor réduisent la consommation d'énergie lorsque vous courez. Ah ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Par contre, le jetpack, ça consomme moins, mais
ça consomme plus, mais c'est pas grave. Sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pensez au pouce bleu comme d'habitude avant de partir, ça fera super plaisir. Et puis voilà, la fois prochaine, on fera ce qu'on a dit justement, c'est qu'on récupère un maximum de poules. Et puis on essaiera donc d'aller nourrir donc les slimes. Enfin, je pense que déjà un gros slime, ce sera déjà pas mal. Donc le slime boom là, qui avait... Ah oui, il faut aussi qu'on récupère deux plortes supplémentaires pour retourner dans la zone où il y avait les deux petites portes là. Ça aussi, il faut qu'on le fasse. Donc à la limite, je vais peut-être retourner après. Vous savez qu'on va peut-être le faire vite fait maintenant. Je sais plus où ils sont. Ah, ils sont pas par là. Ils sont là-bas, je crois. Attendez, je sais plus. Hein. Je sais plus, j'ai un doute. Non, c'était pas ici. Il me fallait juste deux plorts de boom, en fait. Il me fallait deux plorts de boom, donc. On va leur donner. Juste deux poules. Voilà, juste là. Tac, tac. Voilà. On va juste attendre que ça aspire. Moi, je rentre pas là-dedans parce que c'est la mort. Donc, voilà. Cette fois-ci, écoutez, on s'arrête pas devant le tableau des plortes. On s'arrête carrément ici. Je vais juste attendre que ça aspire. Ah, regardez. Voilà, c'est bon, je les ai. Parfait, je les ai sur moi. Voilà. Donc, sur ce, les amis, finalement, on retourne quand même là-bas. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 8 sur Slime Rancher 2. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça fait le deuxième épisode que j'enchaîne. Je vais peut-être enchaîner en troisième. Je vais boire un coup. Et peut-être même manger, à savoir. Peut-être même chauffer une petite part de pizza. Là. Voilà. Vous connaissez un petit peu ma vie. Donc, voilà. Sur ce, les amis, merci à tous et à la prochaine. C'est Dragonite. C'est Axe Mafone, next episode. Oh yeah!